Salut, c'est Zenma. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la Xbox. Je voudrais qu'on découvre ensemble le nouveau jeu du studio qui a fait Shovel Knight. Donc il se trouve que c'est un jeu qui est sur le Xbox Game Pass. C'est un jeu 8 bits, hein, donc, comme Shovel Knight. Donc c'est un jeu qui fait 300 mégas, qui tourne sur Switch. Xbox, tout ce que vous voulez, parce que c'est vraiment pas gourmand. Et donc, ça s'appelle Cyber Shadow. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est un jeu de plateforme, un jeu un peu à la Mega Man ou ce genre de jeu. Donc, voilà, c'est Yacht Club Games qui est à l'origine du jeu. Avec Mickey Knucklehead. Quel accent incroyable! Donc on va commencer ça tout de suite. Donc ça c'est vraiment des jeux qui jouent sur la nostalgie des jeux 8 bits. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé Shovel Knight, mais il y a beaucoup de jeux 8 bits pour lesquels j'ai pas du tout accroché parce que je suis pas non plus. Je suis pas non plus vraiment de cette époque-là quoi. Moi je suis arrivé vraiment, là où j'ai vraiment commencé à jouer c'était sur PS1. Donc, mais il y avait déjà des jeux en 3D. L'époque 8 bits c'est assez vieux. Ah, tout est relatif. Donc visiblement on était enfermé dans une cuve. Alors là j'ai. Je crois que la musique est pas mal aussi sur ce jeu. Hein. En plus, c'est en français, donc c'est cool. Quelle joie de te retrouver en état. C'est pas toujours le cas sur les jeux indés. Hein. Après, ça, c'est un jeu indé, mais le studio qui a fait les Shovel Knight était quand même très connu, et voilà, ils ont quand même des moyens, je pense. Ok. Je m'appelle Gion, au fait, je suis assistant de notre maîtresse. Ouais. Donc c'est carré pour carré, X pour la manette de Xbox pour taper. Je peux sauter et taper pour l'instant. Ça c'est quoi? Privatisation d'essence à la fiabilité. Système vitaux ne pourront pas rapporter. Ton temps est compté pour que je suis quasiment sûr que ton réveil a dû alerter le docteur Progen. Alors ça c'est quoi? Pas l'utiliser non. Chambre de stase désactivée. Ah oui, donc il faut que j'active du coup, j'imagine. Sécurité compromise. Ouais, ça n'a rien à voir. Bon, apparemment c'est un jeu qui est pas simple. On va voir ça. On va pas faire tout le jeu, hein. Je vais juste vous montrer une découverte. Ok. Normalement, on peut aussi glisser sur les murs, mais ça, j'imagine que c'est plus tard. Et là. Bon, j'ai cassé ça, je sais pas s'il fallait, mais. Ouais. Pour l'instant, ça s'est calme. J'imagine que ça va s'accélérer. La tour géothermique. D'accord. Donc on joue sur Xbox One X, hein. Juste pour préciser, après, comme je disais, ce jeu-là il tournera sur n'importe quoi. Le jeu fait 300 mégas, donc... ouais. Bon, il se passe pas grand chose pour l'instant. Il y a quelques ennemis à droite à gauche, mais ça va être très simple. Wow. Attendez. Voilà. Je me suis créé en un coup. Oula! Oula! J'ai parlé tout vite. Attendez. C'est parce que j'ai mal joué, mais c'est pas dur. Quoi. Ah bon, j'ai récupéré de la vie déjà. C'est vraiment le didacticiel là en fait. Hein. C'est pas montré. Hop là. Ah, faut pas. Pas faire deux mouvements à la fois,
les cheveux. J'ai pas réussi à revenir en arrière et à taper en même temps. Voilà, et j'ai pas réussi à récupérer les cheveux aussi. Alors pour l'instant, oui, c'est relativement. Rien de transcendant. Oula, c'est des erreurs. Pour lui taper la tête, voilà. Alors, ça m'a bien sorti. Alors moi, ouais, de manière générale, les jeux de plateforme maintenant, comme ça, en 2D, j'ai un peu de mal. Même pour vous dire, Ori and the Blind Forest, ou sa suite, je les ai pas fait à 100% parce que je trouve que c'est des jeux qui se ressemblent un peu tous. Quoi. Là, au moins, on a l'avantage de. Ouais, mais. Je crois qu'il faut appuyer plus longtemps pour sauter plus haut en fait. C'est l'astuce. Voilà. Merci. Et. On repop. Ah oui, on repop. D'accord. Attention les yeux. Quoi. Ah, ça y est, c'est bon, c'est le bordel là. Yes. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est des checkpoints en fait. Fantastique, oui. Hop là. Donc si vous êtes assez fan de ce type de jeu, je pense que c'est vraiment top. Pour ma part, je vais y jouer vite fait, mais je vais pas passer ma vie dessus. Shovel Knight, c'était un jeu qui était assez populaire sur la Wii. Et pourtant, la Wii U, c'était pas une console très vendue, mais franchement, il a fait son petit bonhomme de chemin, le jeu. Mince, j'avais pas vu la couronne. J'ai beaucoup aimé Shovel Knight. C'est vraiment un délire, Shovel Knight. Enfin, en plus, sur Shovel Knight, il y a des coups qui sont assez particuliers au jeu, enfin ça n'existe que dans ce jeu là en fait, voilà, déjà on se bat avec une pelle, on peut creuser, on peut rebondir sur les ennemis, ah oui, puis il n'y a vraiment pas de frame d'invulnérabilité en fait, c'est à dire qu'on se prend un coup et derrière on peut en prendre un sans problème. C'est peut-être ça aussi qui fait la difficulté du jeu, très vite se faire allumer. Voilà, donc encore un checkpoint. Après, il y a des passages qui visiblement sont plus. Moi, je suis fait one shot. Ah, bah c'est bien, on va pouvoir faire le boss. On va bien voir ce que ça donne. Ah, ça va être là en fait, je fais pas bien. Hop là. Oh, je vais rester là, moi. C'est visiblement. Le canon qui est là, il repoppe pas. Bien. Boss, ou... Ah oui, il y a plein de vie, oui, il y a son compteur de vie à côté. Oula, d'accord, si je passe en face 2 là. Ah mince. Hop, je suis plus cher. Bon, ça va, je perds une vie à chaque fois qu'il fait ça. Ça c'est... Oh, purée. Je sais pas si je peux savoir. Yes. Bon, c'est le premier boss, ça va. Et j'ai une montée quand même pas beaucoup de vie, donc je fais pas le malin. Ça c'est un nouveau pouvoir, j'imagine. Qu'est-ce que c'est? Il m'a redonné de ma vie. Peut-être que j'ai gagné de la vie, justement. Je sais pas. Voilà.
On va continuer, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? On comprend pas trop là, j'avance, hein. Alors l'avantage c'est que je sais pas si on peut dire que c'est du die in retry du coup, vu que apparemment c'est quand même dur. Ça pourrait, mais du coup il y a des checkpoints et on ne perd pas toute sa vie, je pense. C'est chiant ce truc là. Ça tire vraiment que quand je suis là en plus. Arriver. Alors j'ai vu aussi quelques personnes y jouer et visiblement quand un ennemi arrive par en dessous, c'est assez compliqué. Parce que l'épée en fait, bon là ça a l'air d'aller. Mais l'épée elle tape mais vraiment pas bas, on peut pas se baisser en fait. Donc, voilà, je trouve que le jeu il reste, ça a l'air d'être un assez bon jeu vite, hein, mais il est assez limité en termes de possibilités. On débloque aussi, j'ai pu comprendre au fur et à mesure du jeu, mais de base on est assez limité quoi. Il faut juste foutre un coup d'épée et puis sauter quoi. Puis aller à droite et à gauche. C'est pas l'euphorie quoi, ce là. Après, comme je disais, ça reste un. Oh, il y a du monde là. Non, je veux pas tomber. Merci. Hop, je vais monter ici. J'ai pas vu lui. Ah, je suis tombé. Ah, j'ai encore tombé. Ah, je suis. C'est pas grave, on va remonter. Ouais, il tire rapidement. Mais... Voilà. Donc ça va, on connaît. Ok, checkpoint. Je sais pas si on va aller jusqu'au deuxième boss, on va voir, mais oh, je vais mourir. Je pense que là, il vaut mieux que je crève de toute façon, parce que... On va voir ce que ça fait d'ailleurs, si... Est-ce que je dois récupérer ma life ou quoi? Non. Ah, par contre, j'ai autant de vie qu'au tout début du jeu. Parce que j'ai gagné de la vie à un moment. Mais oh bah non, c'est dégueulasse. Pour me casser les pieds, mais au final, oh non, ah, c'est méchant. Voilà, donc le jeu commence à s'énerver un peu là, on dirait. C'est cet ennemi là qui, mais purée, là, voilà, je suis encore tombé. Bon, on va s'en sortir. Ah voilà, vous voyez là, je suis pas assez bas pour le taper en fait. C'est lui qui est trop bas. Donc ça c'est assez embêtant. Donc là je vais éviter de justesse, mais forcément il y a l'autre derrière qui m'a cassé le pied. On a du mal hein, sur ce passage, on a du mal. J'ai la foi. Regardez. Hop. Hop. En fait il faut les démonter. Voilà. On va pas se faire avoir à chaque fois, hein. Faut déconner non plus. C'est un bon petit jeu si vous êtes en mode en manque de jeu vite quoi. Je le répète. Surtout que c'est dans le Game Pass. Donc franchement, si vous avez une Xbox ou un PC. Après, un PC, franchement, là il faudra pas grand chose pour le faire tourner. Mais... J'imagine que si vous avez le Game Pass, c'est que vous avez l'habitude de faire tourner des jeux sur votre PC. Ah, son chiant ces saletés là. Ah purée, ça revient en permanence en plus. Ah, il est parti, je pensais pas. Hop là. Voilà, c'est l'embrouillé. Hop. Hop. C'est bon. On progresse tranquillement. Ah bah j'en suis pas mal tiré là. Alors là ça pue le truc qui va me courser à fond. Mais ah. D'accord.
si c'est ça. Des souvenirs? On dirait qu'on souffre un petit peu. On est des cyborgs ou quoi? Bien. Bon, il y a bientôt un checkpoint, j'imagine. Putain, merde, désolé. Tu n'as pas l'air en forme. Ton état est en train d'empirer. J'espère que tu te rétablis. Ah oui, donc c'est elle, sa maîtresse, certainement. Voilà, checkpoint. Eh ben, écoutez, on est à 15 minutes de vidéo. Je pense qu'on va se laisser là. Ça donne un assez bon aperçu du jeu, je pense. Après, c'est un peu dommage parce que je vois qu'il y a une barre de SP aussi, en fait c'est la barre de magie, qui permet de d'utiliser des pouvoirs en fait, et là on n'a pas de pouvoir, donc c'est un peu dommage. Mais, dans l'idée, vous voyez un peu à quoi ressemble le jeu, quoi. Voilà, donc c'est disponible sur le Game Pass, et je vous conseille fortement, au moins si vous l'avez, de l'essayer, parce que ça coûte rien. Et moi je vais vous dire à une prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!